est-ce que vous êtes concerné d'abord? Peut-être. Allez savoir. Je m'interroge lorsque je vois que Amnesty International, par la voix de son ex-présidente, pour ne pas la nommer, Madame Geneviève Garrigos, qui s'affiche féministe, très clairement, traite la France devant la Cour européenne des droits de l'homme et la fait condamner sur la loi sur le port du voile. Alors là, j'avoue que je suis très très perplexe, il s'agit d'Amnesty International, pas d'une vague officine payée par le Qatar. Qu'en pensez-vous? Réponse, et puis après on passe au deuxième. Et après on revient sur les questions. Amnesty International, les féministes, en tout cas, beaucoup de féministes, universalistes et autres se battent contre. Enfin, Amnesty International, c'est pas une référence en termes de. C'est pareil, c'est le même contexte. En termes de droits humains, il y a un vrai problème. Oui, ce sont des relativistes. Nous, on s'est battu avec Amnesty International, notamment au moment de l'abolition de la prostitution. Ils étaient contre, hein, au terme du libre choix. Libre choix de se prostituer, hein, comme si. Voilà. Bah, rien. Hein, c'est une vocation dans la vie. Vous laissez, en fait, vous allez à l'école et puis votre rêve, c'est de devenir prostituée. C'est votre libre choix. Voilà. Donc, c'est un peu pareil, ça. C'est toujours les mêmes. On en revient toujours aux mêmes questions. Hein. C'est l'individualisme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Alors, après, c'est vrai qu'il faut réussir à comprendre ces mécanismes, à les éclairer, à les mettre dans ce qu'on vient de faire, ce qu'a redit Jamila, c'est-à-dire un contexte international, des rapports de force en présence, etc. Mais nous, Amnesty International, franchement. Moi, je me rappelle, il y a 3-4 ans, les images d'Amnesty, les photomontages qui avaient été faits et tout. Amnesty, moi, quand je les croise dans la rue, dans leur campagne de dons, d'appel à dons, je leur dis, mais écoutez, vous revenez un petit peu sur vos positions relativistes et individualistes, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, puis on verra pour éventuellement vous financer. Alors, ils ont des discours, tout ils ne sont pas surpris, jamais surpris. Quand on commence à discuter avec eux, ils ne sont jamais étonnés. Ils le savent, ça leur remonte. Mais pour autant, ils continuent. Hein. Voilà, ils étaient aussi à l'initiative de l'action récente pour revenir sur la loi, l'abolition par exemple. Hein. C'était aussi eux, notamment, pas seulement, comme la plupart des associations de droits humains aujourd'hui. Hein. C'est la même évolution, donc c'est un constat. Une courte intervention de... Oui, peut-être dernier élément que j'ai... pas véritablement soulevé, s'agissant de du voile islamique et donc du kit qui vient avec, c'est d'insister sur la complexité des sociétés musulmanes, la complexité des mosaïques ethniques, culturelles, linguistiques. Bref, ces différents pays regorgent de richesses, de beauté. Or, le voile islamique, c'est précisément l'imposition d'un uniforme. Donc, c'est la négation de ces cultures, c'est la négation de ces langues, c'est la négation, y compris, de ces moments privilégiés que nous avions de rencontres, de mixité, d'échanges. Le voile islamique, eh bien, impose aussi une ségrégation, impose aussi une vision de l'homme comme un prédateur, et une infantilisation de la femme. Donc, lorsqu'on pense le voile islamique, c'est tout ceci qu'il faut aussi penser, c'est tout ceci qui se dégage, parce que c'est un chaîne de pensée dans lequel on place l'homme, la femme et la société, et c'est tout ceci qu'il faut évidemment refuser.